Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici sur World of Talk avec notre bon Lion dans une game qui s'annonce du moins intéressante en ligne 2 en tout cas. Il n'y a pas trop de lourd déjà, je pourrais même aller limite farmer en ville, mais je vais laisser ça au 907 en face qui va certainement pas s'en priver. Connaissant les joueurs de 907, moi je vais plutôt rejouer le rôle du light et en même temps du faiseur de dégâts finalement, si j'arrive à bien gérer mon clip en tout cas. En ligne 0, ligne 2, c'est sur Prokhorovka, ça Benito. Ici, on est sur je ne sais plus quoi, Pilsen, c'est ça. Ouais, ça, c'est GG, les gars. Ouais, désolé, j'ai peut-être mal manœuvré. J'ai vu qu'il voulait peut-être partir par là, c'est pas grave. On lui en veut pas à l'ami nomade. J'étais en train de regarder vite fait la map, la composition des équipes, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de light, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de grosse résistance en face. J'ai un bon camo l'air de rien avec mon équipage à cette compétence, je crois, là, du Progetto tier 10 et du Progetto 46 aussi, là. L'équipage qui fait le taf, j'ai plus de 1500 batailles avec les deux chars cumulés, sans avoir claqué trop de réserves, là. Si j'ai claqué des réserves, je serai au moins à la 9e compétence, je crois. Enfin, voilà, donc normalement je devrais faire le taf. Par contre, j'aimerais un peu de soutien. Ils sont tous là au promontoire. J'espère qu'ils vont pouvoir me soutenir là. Par contre, ça va être compliqué. Est-ce que j'ai ma bonne config? Ah, je suis même... ah merde, j'avais peut-être une config. J'ai pas regardé ça en lançant le stream. Du coup, j'avais peut-être une config pour voir à travers les bush. Là, il y a Zozo. Je prends la foot, c'est pas bon. Là, je te boune, c'est pas normal ça par contre. Qu'est-ce que j'ai pris encore là? On va le ram. Voilà, ça c'est fait. Je suis en slip, mais c'est pas grave. Il m'a mis 308 sans déconner. Je lui ai mis 2. J'aurais dû le finir à l'obus là, clairement. Là, c'est la Hesse. Là, j'ai pris cher par contre. J'ai pas eu trop de soutien, j'ai l'impression. J'ai pris un peu d'assist sur lui, mais sans plus. On va sortir ici. Je vais peut-être prendre un blind ou l'autre. On va voir ça. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus au fait? J'ai pris toutes sortes de foot. Je vais quand même regarder ça. Alors, on va regarder ici si on spot quelqu'un. Je vais quand même regarder qui m'a tiré dessus pour savoir à quoi m'attendre. PTA, Patton Tank, STRV. Ils m'ont tout rentré, les zozos. Ils m'ont tout rentré, les lolos. Le Progetto, il a même pas essayé de me tirer dessus, lui. Très bien, très bien. On va essayer d'avancer un poil quand même. Essayer de spotter mieux que ça. Par contre, là, c'est à quelqu'un d'autre de prendre le relais, j'ai envie de dire. Moi, je vais plutôt rester derrière, en fait. Et faire de l'assist maintenant. Rester à l'abri. Juste le char futur, il aurait très bien pu spotter aussi, clairement. C'est un bon spotter aussi. Je vais rester ici, moi. Et je vais attendre. Je vais rester même en défilement. Ouais, prêt à bondir dans le trou, là. Faire un bond en arrière vers le trou. Char futur, il pourrait très bien venir spotter. Il ne le fait pas. Attention à ne pas se prendre un vieux rush de Patton ou toute la famille, là. Que j'ai spoté. Bon, normalement, là, je peux tirer bien à l'abri de mes bush. Allez, quelqu'un va spotter là. Oui, il y a quelqu'un qui s'amène. C'est qui? Sortu sac. Ah, bon, c'est pas le meilleur spotter. Ça va loin, les Anglais, c'est pas ça, mais il n'y a peut-être pas trop de camo. Surtout si là, il monte en plein milieu. Ouais, sans bush, sans rien, le mec. Ouais, why not, why not? Vas-y, va spotter, mon ami. Va seulement spotter. C'est tous des médiums là en face. Et le STRV, là-bas, il a spoté le STRV. On va essayer de pas le louper. Voilà, track, dommage. On va tirer là à nouveau. Vas-y, qu'est-ce qu'il fait? Merde. Ah, dans l'autre sens alors? Oui, ça me va. On va essayer. Il a retrack là, on l'a vu. On va essayer de l'enfler là. On va lui tirer, tant pis, le dernier obus. J'espère qu'il a encore track. Très bien, il est mort. J'ai tiré mon obus dans le vent. C'est pas grave. Deux de réflexe, mais c'est pas grave. Bien vu, le Shrek. Alors là-haut, Patton Tank. Il était là-haut lui. Ok. Par contre, là, j'ai pas d'obus. C'est la misère. Il va reculer. Bah oui, il recule, c'était sûr. J'ai encore son flanc de tourelle là, par contre. Là, j'ai tout son cul. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Mais non, là, on n'a plus, ça, c'est pas beau. Il reste un PTA, les gars, devant, si vous voulez aller dessus. Normalement, il reste un PTA. On va qu'il soit déjà enfoui, peut-être depuis un moment. On peut peut-être avancer. Nous, on a gentiment des obus. On n'est pas one shot. Donc... ah oui, là-bas, là-bas. Attention, là-haut aussi. T30, ouais, ça, c'est la galère. Il est de cul, là, j'ai l'impression. Et T30, il recule encore. Il revient là. Tout sauvage qu'il est. Attention à lui, il va me spotter. Ouais, merde, je suis spot. Je vais prendre le T30. Malheureusement, je suis mort. Je suis mort, je suis mort, je suis tellement mort. Non, je suis pas mort. Ah si, bah, il a bien attendu longtemps avant de tirer. Là, j'ai fait le con, vous voyez, là, j'ai fait le con. J'avais pas vu que le PTA était remonté. Du coup, ben voilà. Voilà ce qui se passe dans ces cas-là. Et en même temps, je l'avais dit, le 907 et même le K91, apparemment, ils sont allés en ville et ils ont fait le café. Voilà. Est-ce qu'il fallait que j'y aille? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il fallait qu'on pousse plutôt ici? Ça, oui.
Bien plus tôt, il n'y avait presque personne, on l'avait vu sur la minimap qu'ils étaient tous en ville chez eux. Donc à un moment, les gars, il fallait pousser. Moi, j'ai poussé jusqu'à être entamé. Le char futur, il s'échappe. Oh, il a eu de la chance là. Il fasse juste la traque, le petit T30. Il retourne dessus du coup. Attention, au-dessus de toi, Patton. Ouais, il la prend. Attention, là, le T30. Maintenant, t'es quasi one shot. Il y a le Shrek qui se fait plaisir apparemment. Allez, laisse-le tirer, le Shrek. Ah merde, est-ce qu'il a tiré dedans? Il a pris la patate en tout cas. Il l'a fumé. Attention, Patton. Ouais, le Shrek Patton de cul à un moment. Faut essayer de le rentrer, quoi, j'ai envie de dire. Alors, il avance du coup. Il farm, le petit Shrek. Lui, il fait ses dégâts par contre. Intéressant. Alors, tu vas être spot, tu vas être dans le caca. Il joue avec les Bush, à mon avis, ou il joue avec les carcasses, je sais pas trop. Patton a raté. Comme un bon Patton qu'il est. Voilà, c'était la petite partie qui aurait pu être mieux. Oh, Lion. On va quand même regarder les résultats. Je pense avoir fait au moins un blind. Au moins peut-être deux, je sais plus. Non, je crois. On va revoir ça. Ah non, le T30 aussi. À mon avis, je monte gentiment à 2000 de dégâts. Ce qui est relativement correct. Sans plus, je dis pas que c'est bien. Je dis que c'est correct. 2000 de dégâts avec un tier 10. C'est un peu le minimum qu'on attend de vous en tier 10. Moi, que vous soyez en light ou à la limite en artillerie, que vous vous focussiez sur le stun, ou je ne sais pas, ou tirer trois chars en même temps, les stuns tous les trois, ça peut être bien aussi de faire ça en artillerie. Mais le reste des chars, les TD, les lourds, les médiums, il faut que vous fassiez 2000 de dégâts, c'est vraiment le minimum. Donc là, normalement, j'ai fait le minimum. Alors, le type 63, lui, il est full, par contre, il n'a pas fait le minimum, lui. Il se doutait peut-être que le 907, j'ai voulu le dire aussi, le K91 qui irait en ville, mais. Ouais, ils se doutaient peut-être qu'ils allaient aller là-bas. Il est track, il est dans la merde là normalement. Ouais, il a le 907 encore au fest. Il va essayer de le sortir. Vas-y. Ah, dommage, bien essayé. Bien essayé, mais c'est un 907 un peu cheaté là. Comment on le sait? C'est tous des cheatés les 907. On est jaloux, ouais. On est envieux, on est jaloux. La totale. J'aurais pu l'avoir 1000 fois le 907 finalement. Jamais enchéri dessus, enfin, j'ai fait quoi, 3-4 fois des clawars vraiment acharnés, quoi. J'ai eu un peu de poids sur les résultats et j'ai pas voulu enchérir toutes mes obliques à chaque fois. J'aurais peut-être dû, ouais, 2100 dégâts, c'est bien ce que je disais. J'avais shooté certainement le T30 et le STRV, oui, c'est ça, T30 et STRV, ouais. Voilà. Bon, c'était la petite partie de show for Lion, on va dire. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. En même temps, ouais, le matchmaking était très bizarre là, très bizarre. Je veux dire, des médiums en top tier, des lourds, même pas de tier 9 lourds, tout de suite des tier 8 en lourd là, donc clairement pour un bon 907 bien pété, il y avait moyen de farmer là, la ville, enfin les entrepôts pour le coup. Moi, j'aurais pas fait le poids là, j'ai pas assez de blindage pour aller là-bas. Donc voilà. C'était peut-être ce que je devais faire, vous allez me dire. Vous allez me dire, tu aurais dû aller les contrer dans les entrepôts et tout ça, mais vu comment nos lourds se sont fait rouler dessus, nos pauvres lourds tier 8 là, je suis pas sûr que j'aurais fait une grande différence là-bas. J'aurais peut-être fait plus de dégâts, je sais pas. On ne saura jamais, on va pas faire des plans sur la comète de ce qui s'est pas passé. De toute façon, j'ai fait mon choix et voilà, ça n'a pas payé malheureusement pour la victoire, mais bon, moi j'ai assuré des petits dégâts quoi. Finalement, alors ici, est-ce qu'on va avoir le STB? Normalement, oui, tant pis, puis on lui cale notre seul obus. Voilà, au moins on la traque. Très bien, Progetto, bien joué. Udes, il va peut-être réfléchir à deux fois là. Du coup, j'aurais peut-être pu monter aussi. Moi, attention qu'il y a deux artis là pour le coup. Attention à la plage, qu'il n'y a personne chez nous. Zut et zut. Alors là, on va peut-être pouvoir malgré tout. J'espère qu'il n'y a personne chez eux non plus à la plage. Ah, mais on n'a qu'un obus, ouais. Je sais pas si c'est très rentable de sortir là tout de suite. On va attendre un poil, ah, ça traverse là-bas, ça c'est la merde. Ça c'est clairement la merde, il y a les 2, 6, 8, 4 là-bas. Oh là là, moi je me casse de là les gars, je me casse de là clairement. Il est temps, alors lui peut-être qu'on va pouvoir l'enfler de flanc, oui vite fait là-bas. Parfait, ça perce un deuxième peut-être. Il va dans la ligne rouge. Parfait, ça perce, on va maintenant se planquer là. De toute façon qu'il y a deux artis, très bien, lui il est mort, j'ai pas pris le spot. Mais au moins il est mort. Qu'est-ce que ça dit là? Ouais, ça va. C'est quoi? Je vais me barrer de là, complet, complet. Parce que personne n'a voulu aller à la plage. C'était peut-être mon rôle, encore une fois, je sais pas trop.
C'est pas grave, en tout cas, je me casse, je vais prendre le sang-tuile dans les dents là. Merde, j'ai essayé de me défendre, j'ai essayé de lui faire peur, mais bon. Voilà quoi, 60 TP là-haut, il y a Progetto 65 là. C'est pas gagné, c'est 3-0, mais j'ai envie de dire c'est pas gagné. Le reste du poids de vie, le reste des gros chars pétés qui ont pris des bonnes positions, même si nous on a pris la colline là, gentiment. Ça veut trop rien dire, il leur reste des FV. Le reste Foch de 6-8-4, c'est assez pété comme char aussi, ça malgré tout. Bon, dans un matchmaking full tier 10, c'est un peu moins pété, mais ça peut quand même très bien faire le taf. Alors voyons si on arrive à shooter un peu d'ici avec le Progetto, maintenant qu'on a nos 4 obus. Si on arrive à pas être spot aussi, c'est très bien. Alors lui, il est caché, là-bas on a Foch. Un Foch qui est là-bas. Très bien, il n'y a plus de Foch. Il n'y a plus de Foch. La V, peut-être qu'on arriverait à la spotter aussi gentiment là. Si elle veut bien tirer ou... Ah, lui là-bas, non. De toute façon, je prends l'arty. Bah ouais. Attention quand même à la V si elle vient blind là. Lui, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est pas? Il est caché dans son trou. Eh bien, on va essayer de spot la V là tout de suite. Si elle veut tirer. Ah là-bas, il y a Zozo qui traverse. Mais non, ils ont rajouté des maisons là ou quoi? Ils ont rajouté des choses, j'ai l'impression. Non, ils ont rien rajouté, c'est la map qui est comme ça. Bon, je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas toutes ces maisons avant là où il y a. Ah lui, on l'a peut-être. Oui, parfait, je les traque. Ah merde, il me voit. Ah, s'il me voit, c'est la merde ça pour la FV. S'il me voit, c'est clairement la merde. Ça va, elle a pas tiré, heureusement. Et moi, j'ai pris une belle boulette là. En plus de l'arty. très bien, vas-y, va spotter le Progetto. Moi, j'ai profité de ton spot. Dommage que j'ai raté mon jeu. Attends. On va s'y reprendre à deux fois. Là, je spot. Non, c'est pas moi. Spot toujours pas la FV. Le escompte, il a l'air d'avoir reculé. Alors, est-ce que j'irai pas tenter un truc là? Vas-y, je vais tenter. Ah, il est où le 60? Ah, il est juste là en fait. Ah non, ok, je vois où il est. Je croyais qu'il était derrière le petit tas où il y a le escompte, mais non. Il est juste là. Ok. Mais quand même, là, il n'y avait pas ces maisons là. Si, je sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ok, il est juste là lui, ok. Autant pour moi. Alors on va essayer de prendre de la hauteur un petit peu là. Tout de suite, tout de suite. Et si on arrive à le shooter quelque part là. Peut-être entre les maisons ici, s'il veut avancer sur le mousse. Peut-être qu'on va le voir à travers le sapin là. Ça se peut, escompte là-haut, très bien. Très bien, très bien. Alors le 60 TP, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas? Il a pas l'air de vouloir avancer. Malheureusement, faudrait pas qu'il me la colle lui par contre. Ça serait malvenu. Le mot s'y recule. Ouais, donc je voulais aller dans ce bush là. Où est-ce qu'il est mon bush? Bon, je vous montrerai si j'arrive à l'atteindre. Ah là-bas, il est là-bas lui. Non, c'est pas lui. Si, il est où? Ah, il est là-bas, il est juste là. Ok, ça rentre, merveilleux. Malgré les petites barrières là. Ok, c'est ça. Tourne-toi, je te traque. Ah merde, je croyais qu'il venait de réparer le zozo. Zut, dommage. Ah ouais, vous voyez, c'est mal barré, là, je vous avais dit, hein, on menait au poids de vie, on menait 3-0. Tout d'un coup, ils font la remontada de l'espace, là. Les zozos font la remontada. Malheureusement, attention à pas prendre un blind du 60 TP, là. C'est un peu prévisible. Ouais, l'autre aussi, il va venir, là. L'autre 60 TP, il va venir passer son nez à tous les coups. Là, c'est mal barré, clairement. C'est clairement mal barré. Attention à la FV aussi. Elle décide de push si elle s'ennuie là dans son trou. Peut-être le 60 TP là-bas. Vite fait. Non, non, pas du tout. On prend un blind en effet. Je sais pas c'était quoi ça. Ça a l'air d'être un petit calibre quand même. Peut-être pas, j'en sais trop rien. Qu'est-ce que ça dit là-bas? Non, ok, on a perdu une grille à l'instant. Ouais, ils se font push, elle. Hein. Est-ce que j'aurais dû aller à la plage encore une fois? J'en sais trop rien si j'ai bien fait ou pas. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je prends des mauvaises décisions sur le map contrôle? Lui, peut-être là-bas. Le strife, comme on dit. Non, il est trop loin. 60 TP juste là. Merde, il me spot. Merde, il me la colle. Attention à la V dans la foulée. Ah, ça c'est moche. Ça c'est moche de l'avoir pris. Je pensais pas qu'il me spotterait là dans mon bush. Maintenant, il va attendre de recharger. Là-bas, FV, très bien. Ah, il est juste là. On peut l'avoir d'ici. Ok. Merde, dommage. Je prends de l'assist. On va essayer de se la faire là. Elle se planque là-bas. Vas-y, mange ça, toi au moins.
Ne recule pas trop, voilà, on la met en slip au moins. Au moins, on a fait notre game gentiment. Oui, là-bas, il nous shoot, il n'y a plus que nous deux. Donc, ça va être la hess là tout de suite. Ça va être la misère. Au moins, on a fait notre taf. Bah ouais, bon. Compliqué là, compliqué. Le escompte, on l'a même pas vu avant qu'il tire. Incroyable, incroyable. Des chars aussi gros, aussi lourds et qui sont aussi camo. Je comprends pas. Je sais même pas qui m'a spot du coup pour le coup. C'était peut-être lui-même. J'en sais trop rien. Bizarre, bizarre. Bon. C'est pas grave. 3900 de dégâts, ça c'est correct. On a fait ce qu'on a pu malgré tout pour la team en termes de dégâts. On a fait largement notre taf. On a fait même de l'assist. 1900 d'assist. Donc j'ai envie de dire, c'est pas une mauvaise game. Après. Et peut-être moyen de la gagner en jouant autrement, en allant plus côté plage, mais en même temps, je vois pas ce que j'aurais fait face au rush là des 2, 2, 6, 8, 4 et du 100 AX. Donc il y a du mieux. Je fais le double de dégâts par rapport à la première game. Donc clairement, la première, on dit que c'est la partie de chauffe. Et celle-ci, encore du full tier 10. Bon, on va prendre la position. La position. Bon, dans les bush, hein, classique, en mode sniper, on a quand même un char précis. Par contre, j'ai peut-être une config 2 intéressante là. Ouais, j'ai la config, voir à travers les bush, ça peut être utile. Il y a deux lights, il y a les TD, pas très camo forcément. La grille, le Jack Panzer en tout cas. Après, il sera peut-être pas en face de nous. On va essayer de pas trop golder quand même. On est un peu à la dèche de crédit là tout de suite sur ce compte. Donc voilà, alors. J'aurais peut-être tenté au milieu. Non, 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 je vais pas tenter au milieu. Je vais tenter au milieu, je suis pas assez rapide pour ça. Non, non, non. Peut-être encore une fois, c'est un mauvais choix. Je sais pas, je finis par me demander quand je vois les défaites là. Après, vous allez me dire, ça repose pas que sur toi, Benito, mais. Ouais, je sais pas. Un peu déconfit quand même là, les deux loses là d'affilée, les deux branlées là finalement. Parce que oui, c'était des branlés, lui peut-être là. Ah oui, dans son petit bush, il se croit visible. Ah non, dommage, dommage. Là, sort UX, non, il monte pas. Je suis spot dans la foulée. Le bear, il se promène, là, il se promène vraiment. Il y a peut-être moyen de l'enfler, là, vite fait. Il vient vers nous. Il vient droit sur nous. Il vient droit sur nous. Bon, ok. Le bear, il vient essayer de nous proxy. Il va venir sauter sur nous, là. Peut-être lui en coller une. Ils sont peut-être pas encore tout à fait en place chez eux. Ouais, ici peut-être. Ok, ça rentre, merveilleux. Attention là-bas, pas trop dépasser. Lui, il est pas sur nous. Ok, il dépasse plus, lui, par contre. Lui, il est là-bas, très bien. Très bien, très bien. Vas-y, sors seulement ton nez, mon ami. Est-ce qu'il y a une artie? Oui, il y en a même deux. Donc, à un moment, va falloir faire gaffe à ça aussi. Mais Léo, il essaye de spotter le BR. Il a pas tort avec sa précision. Il peut se le permettre. Alors il est juste là, ok on t'a vu, merde dommage, j'avais juste pas la dépression au début. Et après il s'était planqué le petit. Je fasse gaffe si je peux pas ressortir là 10 fois, parce qu'ils vont m'attendre sinon chez eux. Il y a encore le... Ah très bien l'artie, très très bien ça, maintenant je peux ressortir là peut-être une fois en tout cas. Alors qu'est-ce que ça dit ici, Jacques Panzer, Jean-Pierre. Merde, un peu trop de dispersion, je suis pas spot, ah si je suis spot. Ah si si si, ah, si si si, j'ai pris de l'assist sur lui, très bien, mieux que rien disons. Bon les tirs jusque là, 1 sur 4 je crois, c'est pas fifou, c'est pas fifou. Alors, est-ce qu'on est ici, Progetto? Ah mais la dispersion là, au moment... Ah merde, tu as encore spot, bah, il y a encore le light, Benito, tu l'oublies? J'ai l'impression que je l'oublie, je sais pas. Je me dis il est peut-être bougé, il est peut-être rentré dans un bush, mais non, non, il est bien là, en passif. Moment, il faut que je tire et que je recule, même si j'ai un barillet. Je suis mal réveillé là pour le coup. Enfin, je suis pas, c'est pas que je suis mal réveillé, je suis déjà endormi plutôt. Vu que c'est le soir. Alors ici, cette fois, on n'est pas spot. Tu crois qu'il est là-dedans? Le petit light là. Ah, là. Si je fais ça, j'ai pas la dépression malheureusement. Je peux tenter. Non, mon tir est arrivé derrière, on l'a vu. Ah, j'ai pris la foudre dans la foulée là. Heureusement que ça m'a bounce là pour le coup. Peu de chance, et si ça avait été le JP, clairement, ça aurait peut-être pas bounce comme ça. Ok, on va revenir par là. Voir si on peut faire un peu de spot. Spotation là-bas, spotation là-bas. Ok, ça rentre. Attention, là, je vais prendre la foudre. Ouais, voilà, je prends un peu des tirs et personne ne l'a shooté. Dommage. Attention à l'UDS là qui va débouler là comme un sourd. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met là. Ok, vas-y, prends des shoots, mon ami. Pas seulement des shoots, non, il ouais, très bien l'arty, très bien, très bien. J'ai pris la moitié du spot.
Alors, il va revenir ou pas? Il va attendre d'être destun. On peut peut-être l'attendre un peu autrement. Pour la voir s'il vient de là. Attention quand même à ce qu'il joue pas avec sa tourelle sur nous là. Ok, le 13 il est là-bas. Ce serait vraiment bien de l'enfler là tout de suite. Ok, parfait, il s'est fait avoir. Merveilleux, merveilleux. Alors, on peut peut-être essayer de spot là l'UDES s'il veut revenir quelque part là. Non, ok, attention. À pas dépasser maintenant qu'il est là, à pas dépasser de mon arbre là. Est-ce que je les ai eux là-bas? Non, il faut que je dépasse de mon arbre encore. Quoique là peut-être. Ouais, j'ai le promontoire en tout cas. Ah merde, le Léo il apparaît dans mon viseur juste quand je regarde la minimap. L'UDES là-bas peut-être. Qu'est-ce qu'il fait? Il est juste là. Ouais, vas-y, c'est ça, sort comme ça, t'as raison. Le Léo il va revenir dans son bush à tous les coups. L'UDES il est toujours là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il reste planqué. Il attend bien que l'artillerie recharge. Il est gentil. Bon, Léo, il est revenu dans le même endroit. On va essayer de retenir ça. Il va encore revenir. À mon avis, c'est vers là qu'il se met. C'est vers là-bas. L'UDES, il est sorti. Alors, l'artillerie peut-être. J'ai l'impression que j'ai perdu du monde avec moi. Vas-y, le Léo, là. Ça part. On verra bien. Attention à l'UDES. Personne m'a spot, là. Ça fait du bien qu'il n'y ait plus la MX, là. Le Jean-Pierre, là-bas. Ça part dans son flanc. Parfait. Là, je suis spot. Ah oui, là j'ai été spot, j'évite l'arty gracieusement. Vive le truc de anti-arty là. Alors, j'ai un peu de lag, j'ai beaucoup de lag. J'ai énormément de lag. Qu'est-ce qui se passe? 300 ping, 700 ping. Faut que je reste derrière du coup. Encore 300 ping, qu'est-ce qui se passe là? Attaque russe, attaque russe. Bon, sur leur propre serveur de jeu finalement. Pas terrible là, l'intelligence des Russes. Alors c'était quel bush le Léo? C'était celui-là. Voilà, c'est parti dedans. Il y a l'UDES là-bas. Merde. Il était en place, le zozo là. Il était prêt. C'est quel article qui m'avait shooté? Je ne sais pas. À mon avis, c'est là 2-6. Oh, sinon, j'aurais pris plus de blind. Et là, c'est un peu la galère là tout de suite. Est-ce qu'il arrive sur nous, lui? Il semblait que je l'avais vu avancer. Non? Peut-être pas. Peut-être pas. Ah, si, si, les voilà, les voilà. Ok, là, je vais prendre la foudre. Et ils me font le canon. Et ça rentre, parfait. Essayez de les retenir loin. Merde, merde, il me la colle, attention à lui. Ah bah ouais, ça, mais. Ouais, mais en même temps, ils sont à la gold aussi. Je suis censé avoir une tourelle un peu. Et ouais, j'avais pas vu, ils sont à la gold. Zut, c'est my bad aussi ça. Mais ouais, 3-10 encore une fois. Ah, je comprends pas ce jeu des fois. Il a décidé de vous faire perdre, il vous fait perdre à la chaîne. Hein. Ça m'est déjà arrivé de perdre, je crois, jusqu'à 12 fois, au moins 10, ça c'est sûr, ou 9 sur 10, je sais plus. Enfin, des chiffres assez fous comme ça, d'affilée, quoi. Ça fait un peu peur. Du coup, c'est compliqué de faire des bonnes parties dans des conditions pareilles. On va quand même regarder si j'ai fait un blind ou l'autre. Mais c'est un peu frustrant, quoi. Voilà, on a. Tu peux pas flanquer, tu peux pas. Tu peux rien faire, quoi. Tu peux pas faire le money time à la fin où tu ramasses encore entre 500 et 1000 points bonus sur les derniers chez eux, quoi. Où tu vas à 3 sur 1 et que tu le two-shot chacun, quoi. Enfin, tu peux pas faire tout ça quand tu perds, eux, ils l'ont fait, là, voilà. C'est un peu énervant, c'est un peu frustrant, ça arrive tout le temps, d'ailleurs, sur ce jeu. Après, il y a aussi des fois des belles séries de victoires, je dis pas le contraire, mais. Quand c'est comme ça, j'aimerais voir les cotes quand même. Je regarderai quand même les cotes, ça doit jouer, j'en suis sûr. Avant, j'avais le XVM là, et je voyais des fois que c'était un peu genre XVM matchmaking, comme je disais. Genre, t'avais tout d'un côté ceux à 2000 et 3000 et 4000 limite de WN8 avant qu'ils cachent leurs stats, ceux-là. Et de l'autre côté, t'avais des 500, 300, 700, des gros paquets de 700, quoi. Face à des 2000, ben, à un moment, tu peux rien faire, quoi. Peux pas renverser la game à toi tout seul. Eux, ils ont leur niveau qu'ils ont, tes alliés. Bah, ils sont peut-être plus débutants, j'en sais rien. Par exemple, ouais, je sais pas. Pour regarder lui, le dernier, par exemple. 5000 de cote, non, ça va encore, en vrai, 5000. Alors, l'arty, on va pas regarder, ça sert à rien. Jouer arty, c'est quand même pas compliqué. Ouais, là, 3000 de cote. Vous voyez, c'est débutant, ça. Vite fait, quand même, on regarde. Ouais, non, lui, il est correct, pourtant, mais il est mort, il a mis un tir. Il est mort, le menti, je pense qu'il a fait son taf en spot là. Le Léo, ben non, 7000 de cote, non, c'est à moi qu'ils avaient tous 12 000 en face, mais on va regarder dans le même ordre du coup. Mais ouais, cette non, ça c'est équivalent jusque-là. Bon, les lights, on va pas regarder,
Ça veut trop rire. Bon, c'est à euro. Là, bref, ça c'est pas terrible, mais bon. UDSKSS, 5 700. Non, c'est pas. Là, c'était pas un problème de différence de niveau, à mon avis. Je sais pas. C'était juste. On peut quand même regarder les premiers, on sait jamais. Ouais, 10 002. Ouais, lui, il a un peu roulé sur le nos lourds, certainement. Certainement, certainement. Le AX, là. 6 008. Non, ça va. C'est pas. Lui peut-être, on va regarder deux ou trois juste pour voir, juste pour se faire une idée ça, mais à un moment, c'est lui que je viens de regarder, non c'était pas lui, c'était le Léo. Chez nous, l'Elias 4, j'ai regardé, je sais plus. Non bah ouais, bah, en même temps, mettre un mec à 6, ouais, en même temps, 6 000 de cote face à 10 000, voilà, l'Elias 4 n'est pas mauvais joueur, mais je veux dire, l'autre était vraiment un cran au-dessus, top tier et tout ce qui va bien, quoi. Bah ouais, non c'était full tier 10, pardon. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis sur ces véhicules 5 200 de cote? Enfin voilà quoi. Voilà. Voilà. Bon, on peut rien faire dans ces cas-là. Juste faire une petite pause certainement. N'empêche, si la vidéo vous a plu, si vous trouvez que j'ai fait malgré tout mon taf dans cette défaite, vous pouvez me lâcher le petit pouce en l'air. Moi, je m'en vais dormir un peu frustré malgré tout sur cette défaite de plus, j'en suis à combien avec tout ça? Ouais, une victoire sur 7, ouais, il est temps que j'aille dormir. Pourtant, j'ai fait mon taf 2000 dégâts moyens, sachant que j'ai joué aussi des tiers 8. On peut regarder M41 90. Ouais, lui, j'ai bien tapé certaines parties quand même. Voilà, mais il y a des parties, voilà, nomade, ouais. Ouais, j'ai pas, je me suis pas forcément sorti. Et puis, pas pris des chars qui gagnent forcément non plus. C'était la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir. C'était une vidéo un peu troll malgré tout, mais je trouve que j'avais fait mon taf en Skoda et en M41 90, vite fait en Skoda, en M80, c'était correct. Mais on les avait perdus malgré tout, donc à un moment, je ne sais pas trop quoi faire de mieux. Celle-là, on l'avait gagnée, c'était ma pire game et c'est la seule qu'on a gagnée. C'est souvent comme ça, vous me direz, dites-moi dans les commentaires si pour vous aussi c'est comme ça. Si vos plus belles parties finalement vous les perdez, on peut regarder les stats de mon MOS par exemple, juste pour vous donner une idée. Le MOS, c'est où? C'est là. Dégâts maximum 9 762 et je l'avais perdu. Je m'en rappelle très bien de cette partie-là. Elle date bien d'il y a 8 ans, mais je me rappelle très bien l'avoir perdu, cette partie où j'ai fait le plus de dégâts de ma vie tout simplement sur ce jeu. 9 762 et je l'avais perdu, ma plus belle défaite du coup. Voilà, à plus tard tout le monde sur ce petit coup de je râle un peu quoi, je vais dormir en boudant finalement, mais je reviendrai quand même demain pour le ben, aujourd'hui du coup pour vous, pour les enchères quoi, pour les enchères, on verra ce qu'on fait, si on met des golds sur ce compte-ci, si vraiment il y a cher trop pété ou si on achète sur le deuxième compte, là où on a encore nos golds de Noël, on verra ça. Voilà, à plus tard. Ciao, ciao. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous ne voulez pas rater mes aventures sur les enchères, entre autres. Voilà, ciao, ciao. Bonne nuit.